Gassem, le blé d'or volant. Wow, ça ne sent pas bon pour BCSol. Avec une défaite au compteur, leurs chances de se qualifier en Ligue Internationale sont de plus en plus minces. Qu'est-ce que ça fait? D'où est-ce qu'un type endurance a bien pu sortir une attaque de ce genre? Chaque toupie a ses secrets. T'as vu cette technique? Trop puissant. Eh, ça va? Ok, allez Valt, on va rattraper le coup. Grave, je suis prêt à tout déchirer. Non, je parlais de moi, laisse-moi prendre le suivant, ok? Faut que je tente ma chance, j'ai déjà réfléchi à une stratégie imprenable. Tu rêves, c'est à moi d'y aller. À moi? Ça suffit, pierre, feuille, ciseaux. Super idée, c'est parti. À vos marques, un, deux, trois. Encore une fois. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Il est bien meilleur qu'avant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa toupie est vraiment balèze. Oh, vous pouvez arrêter. Vous érigez le soulage au rang de discipline. Et encore. Check ça! J'ai gagné! Sincères félicitations. Bonne chance pour la suite. Merci, mais quelque chose me dit que je n'en aurai pas besoin. Gassem, je suis très heureux que tu aies enfin pu avoir ton combat. C'est un sacré début, vraiment très impressionnant. C'est à toi que je le dois. Sérieux, merci pour ta confiance. Je t'en prie. Mais c'est ta victoire. Un tel progrès demande beaucoup d'investissement. Ah, oh, cette chaleur. C'est lui. Dépêche-toi. Ah. Gassem Madal l'emporte. Chacune de mes victoires me paraît dérisoire. Papa. C'est une toupie. Salut, alors, tu es aussi Blader? Qu'est-ce que ça peut te faire? Allons, je viens en paix, mon ami. Je participe à un tournoi et je pensais te proposer de venir avec moi. Mon nom est Arthur. Je ne peux plus combattre depuis la dernière fois. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été vaincu par un dénommé Silas. Tu rigoles? Tu ne parles pas de Silas Carlyle. Et tu comptes le laisser s'en tirer comme ça? Promets-moi de ne plus abandonner et je pourrai peut-être faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux t'améliorer dans ce sport, pas vrai? Je peux t'entraîner. Ça veut dire que j'aurai une chance. Je n'oublierai jamais la façon dont il m'a humilié. D'accord, allons là-bas et écrasons-le. Qu'est-ce que c'est? Cette toupie se nomme Maximus Garuda. Tu peux l'essayer si tu veux. Elle est pas mal, non? Le spectacle est loin d'être terminé. Le deuxième combat est sur le point de commencer. C'est à présent le capitaine des Royals, Arthur Lawrence, qui s'avance. Et son challenger sera le jeune Valt Ahoy, le revenant. Voyons s'il a les épaules pour faire face à son adversaire. Ce combat pourrait bien entrer dans l'histoire. Bonjour, mon cher. Ça doit être intimidant pour toi de m'affronter. Et c'est plutôt normal, tu sais. Hey, Gassem! Ton lancement de tout à l'heure était hors de contrôle! J'ai encore jamais vu personne utiliser cette technique! Oh! Mais bien sûr! Pieds nus! Je comprends maintenant! Vous, Ahoy! Oh. Revenez à votre place, s'il vous plaît! Ouais, j'arrive! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est vraiment ridicule. Ça peut marcher. T'as perdu la tête, Valt? Non, j'ai complètement les pieds sur terre. Non, c'est malin.
cool, trop classe, j'ai l'impression d'être montée sur des ressorts. Tu as décidé de combattre pieds nus, c'est ça? Tu crois que ça peut faire une différence? Je suis un blader de niveau mondial, au cas où ça t'aurait échappé. Deuxième combat, premier round. À vos marques, prêts? 3, 2, 1, hyper vitesse! Waouh, Valtriac se déplace déjà beaucoup plus vite que d'habitude. Trop cool! Parfait! Je le sens vraiment bien, ce combat. C'était incroyable. Il est sur une bonne lancée. Il y a quelque chose de différent. Quand la puissance de lancement dépasse un certain seuil, la toupie maintient un angle optimal qui lui permet d'augmenter sa vitesse et sa stabilité. Est-ce qu'il l'a fait par accident ou est-ce que ça fait partie de son plan de combat? En tout cas, c'est plutôt efficace. Valtriac tourne autour de l'arène à une vitesse incroyable! Ouais, il est fort, le gamin. Wow, regardez comme il bouge! Maintenant, à toi de jouer, mon pote! Propulsion flash! Quoi? Ah, ça sent mauvais! Valtriac! Propulsion body centélé! Genesis Valtriac l'emporte avec un chaos explosif! BCSol remporte le deuxième combat avec un score de 2-0. Doux mur dans la Ligue européenne, BCSol parvient à ramener le score à 1 partout. Tu déchires, partenaire! Je ne comprends pas comment il a pu me vaincre. C'est impossible. Oh! Hé, hey, mec! Je te remercie beaucoup pour l'astuce, il suffisait que je me batte pieds nus, en fait. Tu gères! Je ne cherchais pas à t'aider. Eh bien, il progresse plus vite que ce que je pensais. Pourtant, il semble qu'il n'ait pas encore réussi à canaliser toute la puissance de Genesis Valtriac. Ouais! T'as géré, mec! Merci! Et d'où t'as sorti ce lancement super classe? T'as vu? C'est bon, redescendez sur Terre. Y a un problème? Hein? Sois juste avec lui. Il a gagné un point pour l'équipe quand même. Laisse-le savourer sa victoire. Ah, vous parlez d'un mystère. Tu ne vois pas pourquoi ton lancement était aussi puissant? Parce que j'avais pas de chaussures, non? T'es un vrai génie! Je t'en prie, ça n'a rien à voir avec tes chaussures. C'est juste à cause de tes pieds. C'est ça, ouais. Même si je vois pas ce que ça change. L'équilibre est dans le gros orteil. Tu ne l'as peut-être pas fait exprès, mais ça t'a donné plus de poussée car tu sentais mieux le sol sous tes pieds. Moi, j'ai fait ça. Ah, bien sentir son corps pourrait s'avérer très utile ici. On en apprend tous les jours. C'est à moi maintenant. Un peu de sérieux. Je vous ai pas dit d'empester toute l'arène, mais d'avoir bien conscience de vos appuis. Message bien reçu. Je suis à fond. Reculez, messieurs, dames, il se pourrait bien qu'arrive de nulle part un lancement prêt à tout déchirer. Va leur donner une leçon, champion. Ouais. Bien, c'est sur un score de 1 partout que nous allons aborder le troisième combat. Pour BCSol, le samouraï souriant, Rantaro Kiyama. Il affronte George Star, représentant les Royals. Ton costume ringard ne peut dissimuler ton cruel manque de talent. Bien tenté, mais on n'entre pas dans ma tête aussi facilement. Tu ferais mieux de bien t'accrocher, parce que je vais t'envoyer courir après tes culottes courtes. Fais-lui voir ce que t'as dans le ventre. Qui est-ce qui gère? C'est champion. Tu crois? Troisième combat, premier round! À vos marques, prêts? 3, 2, 1, hyper vitesse! Rantaro Kiyama utilise la technique classique de propulsion endurance! Comme à l'entraînement, partenaire! Ultra Rocktavor Zone! Je n'arrive plus à l'atteindre! Et qu'est-ce que t'espérais? Crois-moi, t'as encore rien vu! Si on laissait tomber les amuse-gueules pour passer directement au plat principal! Berserk Rocktavor l'emporte avec un chaos explosif! BCSol remporte le troisième combat! Le score est maintenant de 2-0! La performance parfaite de Rantaro Kiyama va renverser le cours des choses! Pour son équipe, la victoire est à portée de main!
T'es fier de moi, mon pote? Grave, t'as déchiré! J'aurais jamais pu faire mieux! Cette fois, j'ai quelque chose à prouver. Walt! J'espère que t'es prêt pour la suite. Parce que c'est toi le prochain qui va tomber. Je compte bien venger Arthur. Ce mec. Silas, après lui, ce sera ton tour. Quand j'en aurai fini avec toi, ta toupie ne sera plus la même. T'aimes bien parler, toi, non? Réglez-lui son compte. Walt! Ça marche! Je serai revenu avant que t'aies compté jusqu'à 10. Il n'a aucune chance. Mais quand ils auront fini de s'amuser, je détruirai sa toupie. Pour le quatrième combat, les Royals s'envoient leur poids lourd, Gassem Madal. Et pour baisser sol, votre feu d'artifice préféré, Voltaoy. Oh, j'oubliais. Sans blague, il n'écoutait même pas. Concentre-toi sur tes orteils. Ok, finissons-en. Quatrième combat, premier round. À vos marques, prêts! 3, 2, 1! Hyper vitesse! Se battre pieds nus ne semble pas être une bonne idée. Mec, ça pue! Voilà ce qu'il en coûte d'être dissipé. La poisse! C'était le pire départ du monde! Il va se rattraper. On dirait qu'il ne l'a pas trouvé, cet angle parfait. Sur la bonne voie! C'est pitoyable! Ça ne fait que commencer! On peut encore réussir! Ah! Envoie-la valser! Chaque toupie fonce vers l'extérieur pour revenir percuter son adversaire! Quelle force incroyable! C'est ça! C'est toi qui te déchires! Ah! C'est parti! Garuda est envoyé en orbite! Yeah! Yeah! Exactement comme il t'a battu, il est balèze. Je vois. Maintenant, j'ai compris. Je vais refaire une tentative. Maximus Garuda l'emporte avec un chaos explosif! Les Royals remportent le quatrième combat! C'était finement joué! Donne-moi une autre chance! Dans tes rêves, mec, ça marche pas comme ça. Ok, Silas, viens par là! Fini de jouer. Allons-y. Baissez Sol décide d'envoyer à nouveau Silas Carline. Gassem va-t-il continuer sur sa lancée? Silas prendra-t-il sa revanche? Le score est de 2-2. Voyons maintenant qui a les épaules solides. Une seule équipe pourra l'emporter! Cinquième combat, premier round! Tu es cuit! C'est ce que tu crois! À vos marques! Prêt! 3, 2, 1! Hyper vitesse! Kinétique, sa tombe occupe le centre! Pendant que Garuda lui tourne autour, comme un aigle autour de sa proie! Regardez comme la toupie de Silas maîtrise l'art de la déflexion. Les attaques ne lui font rien. Super, trop cool. Allez, la chance est avec nous. C'est quand tu veux, l'ami. N'oublie pas d'utiliser ta super technique. Tu peux faire mieux que ça, plus fort. T'as vu ça? Exactement comme tout à l'heure contre toi. Vas-y, fonce! Tu pensais vraiment que la même stratégie marcherait sur moi deux fois de suite? Roller, défense, maintenant! Temps d'en finir une fois pour toutes. On va mettre fin à tes souffrances.
boucle cyclone. Kinétique, ça tombe, l'emporte avec un chaos explosif. Silas Carlyle gagne grâce à un score de 2-0. BC Sol gagne grâce à un score de 3-2. Si ça avait touché à peine plus près du centre, ma toupie aurait été détruite. On l'a échappé belle. Hé, l'étranger! Finalement, tu n'es pas si mauvais. Cette fois, je pense que je vais me souvenir de toi. Mais fais gaffe! La prochaine fois, je te taillerai en pièces. Ma parole. Pas si je détruis ta toupie en premier et attends-toi à ce que ça arrive. Il y a quelques minutes, des officiels de la Ligue internationale nous ont contactés au sujet des combats à venir. Ça sent pas bon, ça. Ça ne peut pas être une mauvaise nouvelle, après tout. On a gagné, pas vrai? J'ai jamais été aussi nerveuse. Ça concerne toute l'équipe. Nous sommes qualifiés pour la Ligue. Il n'y a rien à fêter, nous n'avons réussi que de justesse. Allez, Trad, ils peuvent en profiter pour une fois. Bien joué, l'équipe, sincèrement. Très bien, tout le monde, vous avez travaillé dur. Alors, je vous ai préparé une petite surprise. Tiens, C'est une pizza déchire. Je te dis, y a rien de mieux au monde qu'un festin victorieux. Je peux? Dites, vous avez été élevé dans une étable ou quoi? Stan Hamburg avec un hamburger. Grave, comme on dit, on est ce qu'on mange. Hé, hey, j'ai compris, c'est une blague. Ça veut dire que tu vas te changer en hamburger. Vous êtes irrécupérable. Hé, hey, Walt, y a quelqu'un qui veut te parler. Qui ça peut bien être? Je suis sûr que ce sont des paparazzis. Oh, c'est carrément logique. Walt, ahoy à l'appareil, vous vouliez une interview? Je ne suis pas un journaliste. Oh, pas de chance, c'est juste Wakia. Comment ça, juste Wakia? Hé, hey, c'est moi. Tiens-toi prêt, car je viens de botter les fesses en Ligue internationale. Ouais, ben ça, ça reste à voir. Mais attends, ne change pas de sujet de conversation. Comment ça? Quelque chose ne va pas? Oui, c'est chaud. Non, tu l'as vu? Comment il va? Pour de vrai? Mec, il faut qu'on aille le voir. Ça, ça va être difficile, parce qu'il a complètement disparu. Quoi? Mais comment? Je te suis pas, tu peux répéter? Attends, laisse-moi écouter. Un jour, il est tout simplement parti. Il a pas dit aux Raging Bulls où il allait, et il a même arrêté de répondre au téléphone. Oh! Comment il a pu faire ça? Je rêve! J'y crois pas, c'est impossible! Snake Pit avec Wakia et Daigo. Avec un type nommé Œil Rouge qui débarque de nulle part. Quoi? Shu ne revient pas? T'es pas sérieux, mec? Dans le prochain épisode de Beyblade Burst Evolution, à la recherche de Shu. 3, 2, 1, hyper vite!
n'abandonne pas et crois en toi, car jusqu'au bout nous on se battra. Sois le meilleur, remporte le combat avec Beyblade Burst Evolution. N'abandonne pas.